tous, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de la palette tant attendue, la Sweet Peach de chez Too Faced. Donc je vais vous en parler un petit peu. Donc elle se présente comme ceci, voilà le packaging avec des formes de pêche ici, un dégradé de couleur corail et pêche, la petite pêche ici. Derrière elle se présente comme ceci. Donc qu'est-ce qu'ils disent derrière? Ils nous disent que soyez sucré comme la pêche avec cette teinte fraîchement cueillie infusée de parfum juteux et de l'essence riche en antioxydants de la pêche. Variez vos styles à l'infini avec des nuances de rose pêche, corail, bronze et touches de violet pour un look estival. Donc elle est vraiment très très belle. Les nuances de pêche et de corail sont très difficiles à avoir, donc c'est pour ça que je la voulais absolument. Donc comment je l'ai eu? Donc je l'ai eu sur Sephora. Donc j'ai guetté, j'ai passé une nuit blanche pour l'avoir parce que je savais qu'il y aurait un stock très limité. Aux États-Unis déjà il y a eu un stock très limité, mais ils ont remis du stock. Ici en 6 heures il n'y en avait plus. Donc j'espère qu'ils vont la remettre en stock pour vous. Je sais que tout le monde n'a pas pu la voir, mais je vous en parle quand même parce que j'ai une vidéo qui arrive sur les dupes de cette palette là, donc qui sont à moins de 10 €. Donc je vous conseille de la regarder, elle va arriver très bientôt. Et les couleurs sont similaires, vous n'aurez pas le même packaging mais vous aurez les mêmes couleurs, donc c'est le plus important. Donc cette palette là coûte 44 €, mais j'ai réussi à l'avoir à 35 € avec un code promo de moins 20 ou 25%, je ne sais plus. Sinon je ne l'aurais pas acheté comme toutes les palettes Too Faced ou Urban Decay. Donc j'ai acheté les dupes parce que je n'étais pas sûre d'avoir celle-ci. Alors je les ai pris et je suis très contente d'avoir réussi à l'avoir parce que moi je collectionne les palettes. Et on peut faire beaucoup de choses avec celle-ci. Donc je vais vous l'ouvrir un petit peu. Donc elle se présente comme ceci. Vous avez un petit miroir avec des petites pêches kawaii, effet asiatique, avec toutes les nuances de pêche, de corail, de violet, avec un petit vert printanier juste ici pour un petit peu rehausser le ton. Voilà. Donc quand vous ouvrez avec la boîte, vous avez la palette. Et dès que vous recevez le carton, vous sentez cette très forte odeur de pêche. À peine avoir déballé, vous sentez cette odeur de pêche. Ça sent très très fort et ça sent vraiment bon. On passe du chocolat à la pêche et vraiment ça correspond tout à fait à la saison de l'été. Donc vous avez un petit guide avec, donc comme ceci, pour avoir 3 looks glamour, pour vous inspirer. Donc vous avez 3 looks comme ceci. Vous avez le Peaches and Cream tout en haut. Vous avez le Smoldering Peach au milieu. Et le Southern Belle en bas. Voilà, et il est en français, donc pour une fois ils ont pensé au nom anglophone, donc c'est un bon point. Donc on se retrouve tout de suite pour les close-up pour vous voyez plus en détail les couleurs. Allez, à tout de suite. Donc là, on va regarder chaque couleur de plus près pour vous voyez bien les détails. Donc on commence par White Peach, qui est un blanc écru. Vous avez Lucius, qui est un rose saumon irisé. Vous avez Jet Peachy, qui est un corail. Bless Her Heart, qui est un vert printanier. Tempting, qui est un marron qui tire vers le noir. Charm I'm Sure, qui est un mocha. En dessous, vous avez Delectable, qui est un violet légèrement irisé. Peach Pit, qui est un bordeaux cerise. Bellini qui est un corail pêche, Candied Peach qui est un pêche légèrement pailleté, Cobbler qui est un mocha irisé, Nectar qui est un beige qui tire vers le jaune, Peaches and Cream qui est un beige mat, Georgia qui est un rose mat, Caramized qui est un caramel foncé irisé, Puree qui est un mocha marron café, Summerium qui est un marron brique, Talk Derby to Me qui est un bleu violet pailleté. Voilà, ce n'est tout pour les close-up, j'espère que ça vous a plu, vous avez pu voir les couleurs en détail et que le stock va se remettre pour que vous puissiez en avoir une aussi à votre tour. N'hésitez pas à aller voir sur le site de Maquialia pour voir les dupes, ma vidéo arrive très très bientôt pour vous.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées de cadeaux, que vous ça... Dites-moi si vous avez aimé cette palette-là, dites-moi si vous l'avez. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, à me suivre sur Instagram et sur Facebook. Et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne, ça me fait très plaisir. Bye bye.